Bonjour tout le monde. Kathleen, can I start? Je souhaite la bienvenue aux uns et aux autres. Soyez tous la bienvenue à notre webinaire. Nous allons encore attendre parce qu'on a eu énormément de personnes qui sont enregistrées sur le webinaire. Donc nous allons nous accorder encore 3 minutes et démarrer aux alentours de 11h05. Donc, pour ceux qui auraient des doutes, vous êtes bien sur le webinaire que TCI organise, TCI l'Afrique de l'Ouest francophone, et qui a pour sujet l'accès des populations des femmes en âge de reproduction dans les zones urbaines défavorisées. Nous aurons des intervenants qui ont des présentations très intéressantes. Donc, restez en ligne avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Madame Tiendrebo, vous êtes bien sur le webinaire, donc c'est bon, restez avec nous. Nous allons démarrer sous peu, nous attendons encore quelques participants. Encore quelques minutes et encore quelques participants. Nous allons essayer d'atteindre 40 participants si possible pour démarrer. Sinon, nous allons démarrer avec le nombre de participants présents. Donc, Madame Tiendré-Béo, la durée de l'appel est prévue pour 1h15 maximum. Nous espérons pouvoir tenir dans le temps imparti. Nous gérerons au mieux le temps et Madame Mariba, qui est la directrice de l'ICPO, le fera très bien. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, qui porte sur l'amélioration de l'accès des femmes aux services de planification familiale dans les milieux urbains défavorisés. Je me présente, je suis Madame Hawatala et je suis la directrice de la plateforme TCI de l'Afrique de l'Ouest francophone. Slide, please. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers de la plateforme The Challenge Initiative, TCI, nous sommes une plateforme que nous voulons qui soit une plateforme qui travaille de manière inhabituelle.
Donc, nous avons une approche basée sur la demande, c'est-à-dire il faut que les villes et les partenaires souhaitent bénéficier de notre programme. Et notre programme a pour objectif d'intensifier les programmes de planification familiale afin d'accroître l'utilisation des méthodes modernes de contraception chez les femmes en âge de procréation, mais dans les zones urbaines, notamment les zones urbaines pauvres. Donc, nous ciblons, c'est vrai, les femmes en âge de reproduction, mais aussi les jeunes mariés, les non mariés et les parents pour la première fois qui sont âgés de 15 à 24 ans. Nous travaillons sur la base de six principes directeurs que je ne vais pas évoquer longuement. C'est diapo suivante, s'il vous plaît. Slide, please. Ces principes sont basés, le premier est basé sur la demande. Le second, dans tout ce que nous faisons, nous essayons d'assurer une appropriation locale de nos interventions et de rendre tous les systèmes prêts pour des programmes efficaces de planification familiale. Un de nos principes majeurs aussi, c'est la mise à l'échelle d'interventions éprouvées. Nous ne faisons pas tout. Nous sélectionnons les interventions qui ont le potentiel d'impact sur l'utilisation de la planification familiale. Nous avons notre approche de coaching, qui est notre cœur de métier, TCI University, qui aide au transfert rapide des capacités au niveau de nos partenaires. Nous assurons l'utilisation de données à temps réel, temps prêt, pour prendre des décisions. Et enfin, nous essayons de faire des efficiences et des économies en assurant le passage à l'échelle. En Afrique de l'Ouest francophone, TCI est présente dans quelques villes. Nous sommes présents dans 11 villes. Slide suivante. Slide, please. Qui sont répartis dans 5 pays. Le Sénégal, le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Niger. Nous avons en perspective l'enrôlement de nouvelles villes au Sénégal et au Burkina et nous souhaitons nous étendre également au Togo. Donc, ceci, c'était juste pour vous donner un aperçu de TCI et camper un peu l'objet de ces webinaires que nous commençons. Nous sommes une plateforme qui encourage les échanges et l'apprentissage. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, je vais parler en français, c'est vrai, avec vous, mais je voudrais asseoir quelques règles avec vous avant d'introduire le webinaire. Le principe, next slide, pour faciliter les échanges sur Zoom, je voudrais vous inviter à mettre votre micro en mode muet, c'est-à-dire à le fermer, à moins que vous ayez envie de parler. Et si vous souhaitez parler, vérifiez que vous n'êtes pas en mode muet dans ce cas de figure. Utilisez la fonction chat, c'est le petit box avec la conversation, pour donner des commentaires et poser des questions. Nous allons tout au long essayer de répondre aux commentaires et aux questions au fur et à mesure qu'ils se présenteront dans le chat box. Nous aurons à la fin de l'appel un registre de vos commentaires et questions auxquels nous aurons répondu et qu'on va distribuer à tous les participants qui sont connectés. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions verbalement. C'est vrai que nous aurons un grand groupe, mais nous souhaitons que notre webinaire soit aussi participatif que possible et l'enregistrement de la session sera partagé après l'appel. Avant d'introduire Mariba officiellement en français, j'aimerais que vous me donniez un petit moment parce que nous avons des participants en anglais, anglophones qui sont là et pour lesquels il y a la traduction en anglais et j'aimerais pouvoir leur dire, souhaiter la bienvenue de la même manière en anglais que je l'ai fait pour vous en français. Welcome, my dear English speakers, to our webinar today. On increasing women's access to family planning services in poor urban setting. I'm Mrs. Hawatala, and I'm the project director for TCI in Francophone West Africa. TCI as a hub, as a platform, as a goal to rapidly and sustainably scale up proven reproductive health solutions among the urban poor through four hubs in East Africa, Nigeria, India, and Francophone West Africa. Today, you will hear about some of the proven approaches and interventions
used to improve family planning access for poor women in urban settings across Francophone West Africa. We are pleased that many of our Anglophone colleagues have joined us and hope the strategies and lessons learned can be useful for you as you implement your own programs. I would like to introduce our moderator for today, Mariba. Mary is the director of the Ouagadougou Partnership Coordination Unit, the coordinating body to help the Ouagadougou Partnership countries accelerate the use of family planning services in all 9 countries. Mariba is a strong and young advocate for family planning, and she's committed to expand the reach of services to all women. So Mary, over to you, and please in French. Merci beaucoup, Awa. Bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui donc avec vous, participants, et avec nos panélistes distingués. Le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui nous tient particulièrement à cœur au niveau du partenariat de Ouagadougou. C'est vrai que nous collaborons souvent avec des projets comme TCI, justement pour accroître l'accès des femmes aux services de santé dans notre région. Nous connaissons tous les barrières auxquelles les femmes, les jeunes filles sont confrontées au moment de pouvoir avoir accès justement à ces soins-là et à ces services. Et donc, c'est tout l'intérêt pour nous, ces dernières années, d'avoir mis l'accent sur la création de la demande et des programmes comme celui de TCI, justement, qui vise à accroître l'accès des femmes au service PF et d'un intérêt particulier pour nous. Alors, comme nous le savons tous, en Afrique de l'Ouest francophone, nous avons eu à enregistrer des progrès dans l'utilisation de la contraception moderne au cours des 10 dernières années. Le partenariat de Ouagadougou a été mis en place depuis 2011 et au niveau de l'unité de coordination, nous présenterons les chiffres officiels quant à l'augmentation du nombre d'utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception à notre réunion annuelle qui se tiendra en décembre, en virtuel cette année, en raison de la crise sanitaire. Par contre, nous avons d'ores et déjà constaté l'accroissement des financements grâce aux investissements de bailleurs traditionnels pour la planification familiale telles que Gates Institute, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'USAID, le FUNIAP, la Fondation Hewlett, les Pays-Bas et d'autres. Mais également plus récemment, nous avons pu avoir justement au sein du partenariat des investissements de la Fondation CEF, par exemple, qui est britannique, et aussi de DFED, qui est la coopération britannique. Alors, nous pouvons dire que grâce aux efforts consentis par nos pays, et ça, je pense que c'est très important de magnifier les efforts qui ont été faits au niveau de nos ministères de la Santé, au niveau de nos gouvernements, et les financements endogènes qu'ils ont pu mettre en place, dont l'augmentation de la ligne budgétaire pour l'achat de commodités et de contraceptifs. Et donc, nous avons vu une nette amélioration dans les chiffres et de plus en plus de femmes et de jeunes filles ont accès à des méthodes modernes de contraception. Toutefois, je pense qu'il est bon aussi de pouvoir équilibrer ces choses-là, c'est que les avancées s'accompagnent également d'inégalités qui sont frappantes sur lesquelles porteront nos discussions aujourd'hui. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà considérer que cette pandémie à COVID-19 a eu à exacerber les inégalités et l'équité en termes d'accès aux soins, services et informations quant à la planification familiale. Alors, je vais passer au next slide. Pour ce qui est donc de la planification familiale, vous verrez par exemple les différences très marquées entre les plus riches et ceux les plus vulnérables et les plus pauvres par rapport à la population et le taux de prévalence contraceptive auquel les populations sont confrontées. Et vous avez par exemple des pays comme le Burkina par exemple dans lequel la différence n'est pas aussi marquée entre le quintile le plus riche et le quintile le plus pauvre. Par contre, quand vous voyez les résultats de pays comme le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, le Mali, certains ont des taux de prévalence contraceptive en moyenne assez bas. Le Sénégal est un exemple qui est toujours cité
en tout cas parmi les femmes mariées, en termes de taux de prévalence contraceptive, mais on voit la différence énorme qu'il y a entre le quintile le plus pauvre et le quintile le plus riche. Et donc ça, ce sont des inégalités pour nous et un manque d'équité à l'accès aux services, l'accès à l'information qu'il nous faut absolument combattre. Donc par rapport au partenariat de Ouagadougou dans notre stratégie pour l'après 2020, c'est vrai qu'on a toujours ce chiffre, cet indicateur quantitatif, par rapport au nombre de femmes utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception, mais nous voudrions pouvoir rajouter justement des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour voir justement pouvoir mesurer l'accès aux soins de santé. Next slide. Pour ce qui est de l'utilisation des contraceptifs, encore une fois, vous verrez que en termes de moyenne, quand on fait la différence entre le quintile le plus riche et le quintile le plus bas, un taux de prévalence contraceptive d'à peu près 38% pour le quintile le plus élevé et de 15% seulement pour le quintile le plus bas. Et ensuite, vous verrez les besoins non satisfaits qui y correspondent. Et donc, bien entendu, je pense que c'est... ça va dans l'ordre des choses de voir que les besoins non satisfaits sont beaucoup plus bas au niveau du quintile le plus élevé et qu'il est quand même de à peu près 20% pour le quintile le plus bas. Et donc, ces populations-là, non seulement sont confrontées à des taux de prévalence contraceptive beaucoup plus bas, mais sont aussi confrontées à des besoins non satisfaits encore plus élevés. Et ça, c'est selon l'EDS 2018 au niveau du Sénégal. Quand on prend le cas de Niamey, next slide, vous verrez très rapidement également, et là on parlera en termes de tertile et non pas de quintile, dans les besoins non satisfaits, encore une fois, au niveau des tertiles les plus bas, sont plus élevés, même si les méthodes traditionnelles sont à peu près les mêmes sur les trois tiers et les trois tertiles. Mais l'utilisation de méthodes modernes de contraception a énormément de différences entre le tertile le plus bas et celui le plus haut et le pourcentage de la demande satisfaite par méthode moderne. Et donc ça, c'est pour le cas de Niamey, encore une fois, pour illustrer le propos dans les différences d'accès à l'information et aux services. Alors, pour le prochain slide, vous verrez qu'en termes de femmes non mariées, de jeunes femmes mariées, pardon. La demande est forte et par contre, les besoins non satisfaits également. Donc, par exemple, vous avez plus de 214 millions de femmes qui ont des besoins non satisfaits, dont les adolescents et les jeunes, dont les femmes en postpartum, dont nous parlerons dans les prochains slides, qui représentent une source de femmes additionnelles potentiellement énormes. Et on a quand même un taux d'abandon, les abandonnés, 38% des besoins non satisfaits. Donc, il faudrait que les programmes puissent répondre aux besoins actuels des utilisatrices, mais également prévoir dans le futur, surtout par rapport à certaines femmes qui viennent en centre de santé pour les accouchements, par exemple, et de pouvoir leur fournir une méthode. Pour le prochain slide, vous verrez que quand on compare les régions, en termes de besoins non satisfaits et en termes de demande totale satisfaite. Pour l'Afrique de l'Ouest, quand on compare par exemple avec une région comme l'Amérique latine et les Caraïbes, avec une région avec laquelle nous avions à peu près les mêmes taux dans les années 70, dans les années 80, et aujourd'hui nous nous retrouvons 30 ans plus tard avec des besoins non satisfaits beaucoup plus larges que la demande qui est satisfaite, la demande totale. Quand vous voyez la différence entre la barre en bleu et la barre en orange, qui, elle, représente les besoins non satisfaits. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faudrait qu'on essaie de renverser et de faire en sorte de pouvoir répondre de plus en plus aux besoins non satisfaits. Et c'est vrai que ça, c'est un des indicateurs pour lesquels l'UNFPA se bat énormément pour pouvoir atteindre les 3-0, et un des 0 justement est 0% de besoins non satisfaits. Prochaine slide, celle-ci concerne les jeunes femmes célibataires sexuellement actives. Et il faut savoir que les données en général sur les jeunes sont difficiles à collecter. Sur les jeunes sexuellement actifs, encore plus difficile à collecter. Donc, parfois,
Les données que nous avons ne sont pas forcément les plus viables et les plus satisfaisantes, mais on voit d'ores et déjà que pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous avons encore une grande marge par rapport aux besoins non satisfaits de cette population-là. Donc, de pouvoir concentrer nos efforts sur les jeunes femmes célibataires sexuellement actives. Prochaine slide, et c'est là que je parlais tout à l'heure des femmes en postpartum, qui représentent quand même une perte énorme quand on sait qu'elles ont en général besoin justement de pouvoir éviter une prochaine grossesse, éviter d'avoir des grossesses rapprochées. Le Sénégal, par exemple, avait une campagne de communication pour les changements de comportement il y a quelques années qui a porté énormément de fruits en termes de changement de comportement et d'éviter de pouvoir espacer les naissances. Et donc, elles ont une très forte motivation au niveau du centre de santé quand elles vont pour accoucher, qu'on puisse leur proposer des méthodes et les mettre sous contraception. Alors, on se rend compte par contre que donc, ce besoin non satisfait représente 61% des femmes qui sont en postpartum. Et donc, toute cette masse-là représente 40% des besoins non satisfaits en matière de PF. Donc, je pense que c'est un des... Même pour le partenariat de Ouagadougou, c'est un des thèmes sur lesquels on aimerait concentrer le plus d'efforts et inviter les partenaires et les bailleurs de fonds à concentrer leurs efforts justement sur le postpartum, parce que je pense que cela représente un atout et une possibilité qui nous est offerte de pouvoir enrôler plus de femmes additionnelles dans les sous-méthodes modernes de contraception. Alors, la prochaine slide... et par rapport à la capacité de paiement. Et là, c'est vrai qu'il faut savoir que la planification familiale, c'est dans le domaine du préventif. Et c'est vrai que quand vous avez des femmes et des familles à revenus extrêmement limités, pour pouvoir faire le choix entre l'éducation, entre la santé, et même dans la santé, vous avez les soins curatifs, comme le paludisme, par exemple, comme il y a la nutrition, il y a d'autres éléments qui prennent le dessus quand il s'agit de faire un arbitrage pour la femme et pour la famille selon qu'elle puisse se mettre sous méthode de contraception. Et donc, il y a également la part de la contraception traditionnelle auquel certains ont recours parce que justement n'a pas de coût ou en tout cas un coût très faible comparé aux méthodes modernes de contraception, quand on sait toutes les rumeurs qu'il y a sur les effets secondaires, quand on sait également les préjugés qu'il peut y avoir par rapport aux femmes qui utilisent les méthodes modernes de contraception, et sur l'arbitrage financier à faire à la fin de la journée de pouvoir utiliser la planification familiale, même pour les femmes et les ménages qui reconnaissent en avoir besoin. Donc, les frais sont assez élevés. Vous avez non seulement le transport, vous avez l'achat du contraceptif, de devoir revenir au centre pour enlever, par exemple, un implant et le replacer. Tout ça font et sont des barrières, justement, l'enrôlement des femmes pour la planification familiale, surtout celles en milieu les plus défavorisés. Voilà. Alors, prochaine slide. Pourquoi est-ce que l'accès à la planification familiale est important pour les femmes défavorisées en milieu urbain? Alors, on sait que 56% des décès maternels surviennent en Afrique, et dont la plus grande part vient de l'Afrique subsaharienne. C'est que, par exemple, une femme sur 23 au Niger, une femme sur 27 au Mali, ce qui est énorme. Et on sait que la planification familiale réduit drastiquement, en tout cas de à peu près 30%, la mortalité maternelle. Et donc, c'est un moyen de combattre justement l'utilisation de la planification familiale et des méthodes modernes est un moyen de réduire cette mortalité maternelle. Et c'est tout là la raison et l'intérêt pour lequel le partenariat de Ouagadougou a été établi, justement parce que nous sommes la région qui a les indicateurs les plus alarmants, beaucoup moins alarmants maintenant qu'en 2011, mais les plus alarmants dans le monde par rapport à la mortalité maternelle et infantile, par rapport à la nutrition et la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, par rapport au taux de prévalence contraceptive. Et donc là, l'intérêt justement pour nous est que en 2020, nous avons beaucoup plus de données, nous savons ce qui marche par rapport à la planification familiale, par rapport aux données, par rapport à la
l'accès à l'information, et c'est ce qu'on voudrait pouvoir retranscrire donc pour la vision 2021-2030. Donc nous savons ce qu'il faut faire au plan programmatique. Il y a beaucoup de projets et de programmes jusqu'à présent qui ont marché, qui ont fourni des résultats, dont par exemple le Challenge Initiative qui se focalise sur les femmes en milieu urbain. L'intérêt est là donc de pouvoir aussi arbitrer et faire fonctionner les high impact practices, les pratiques à haut impact que nous savons marchent. Il y a des comités qui sont dédiés justement à revoir ces pratiques à haut impact et de pouvoir les mettre à l'échelle. On a pendant de très longues années eu des projets pilotes. Certains ont porté leurs fruits, d'autres moins. Et donc de pouvoir porter à échelle maintenant, on va dire dans la prochaine phase, parce qu'on a dépassé l'accélération maintenant, de pouvoir les mettre à l'échelle et de pouvoir atteindre l'objectif très ambitieux du partenariat de Ouagadougou pour 2030, qui est d'atteindre 6,5 millions de femmes additionnelles, donc à comparer avec les 2,2 millions sur la phase 2016-2020. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette présentation-là. Nous allons passer à nos autres panélistes et nous prendrons les questions à la fin. Donc, maintenant que nous avons vu les chiffres, nous allons maintenant entendre chacun de nos intervenants qui nous feront part de la façon dont la collaboration et les synergies peuvent améliorer l'accès des femmes urbaines défavorisées aux services de planification familiale. Alors, je vais présenter notre premier panéliste. Avant ça, c'est de rappeler aux panélistes que vos diapos seront déroulées par Fatima, donc elle les fera avancer, et que vous avez donc accès à une interprétation simultanée en anglais aussi, pour ceux qui sont anglophones. Et donc, on va demander aussi aux panélistes de parler lentement pour permettre à l'interprète de pouvoir suivre. Et rappelez encore à tout le monde de couper le son de vos micros quand vous ne parlez pas. Donc, je vais introduire notre premier panéliste, Madame Zombré, son nom Marcella Valérie, qui est chef de service santé des enfants, des adolescents et jeunes à la direction de la santé et de la famille au ministère de la Santé du Burkina Faso. Alors, à ce poste, Madame Zombré est chargée de la planification, de la coordination, de l'exécution, du suivi et évaluation des projets et programmes de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes, et de la mise en œuvre des activités de transfert de la PCMI REC. Voilà. Madame Zombré, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup pour la parole. J'ai le plaisir d'être avec vous. Donc, actuellement, je suis la directrice de la santé de la famille et je vais présenter l'amélioration de l'accès des services de planification familiale pour la population vivant en milieu rural dans un contexte de crise. Donc, je traiterai de ce thème à travers les points suivants, le cadre national de la planification familiale. Je dirais un mot sur la volonté politique qui entoure la planification familiale au Burkina Faso. Également, on va parler de la décentralisation et notre système de santé et vous dire comment nous avons adapté nos services dans le contexte du COVID-19 et finir par des opportunités. Dans le diapo, c'est dans quel cadre nous menons nos activités de planification familiale. Il faut dire que chez nous au Burkina, nous avons élaboré un plan national d'accélération de la planification familiale. Et ce plan constitue un référentiel qui encadre la mise en œuvre des activités de planification familiale. Et la période de mise en œuvre, c'est de 2017 à 2020. Et l'objectif visé, c'était vraiment contribuer à améliorer la santé des populations à travers l'accroissement du taux de la prévalence contraceptive modèle. Donc, en 2015, nous étions à 22,5% et en 2020, nous avons l'objectif d'atteindre les 32%. Donc, diapo, slide. OK. Donc, notre plan comprend 5 axes et les axes sont les suivants. Nous avons la création de la demande, nous avons l'offre et l'accès aux services de santé, la sécurisation des produits,
Nous avons la politique, l'environnement habilitant et surtout le financement. Et enfin, nous avons la coordination, le suivi et l'évaluation. Donc, pour assurer la coordination de la mise en œuvre de notre plan, on a mis en place trois organes. Donc, le premier, c'est le comité de pilotage de notre plan national de planification familiale. Et il faut dire que ce comité est présidé par notre secrétaire général du ministère de la Santé. Et au sein de ce comité, nous avons d'autres ministères. Je vais parler du ministère des Finances, le ministère de l'Éducation. Nous avons le groupe technique SR et les organisations de la société civile. Et il y a le comité technique qui est aussi un autre organe de suivi. Et ce comité technique est présidé par notre SG. Et l'équipe d'exécution, c'est la direction de la santé de la famille qui est présidée par notre directrice de la santé de la famille. Diapo. Donc, diapo, slides. Et quelle volonté politique entoure notre planification familiale? Il faut signaler que pour tout ce qui est programme de planification familiale, ça se trouve au centre de tout ce qui est politique et stratégie. Et la planification familiale est inscrite dans le programme présidentiel et à travers notre plan de développement économique et social. Donc, au niveau de ce plan-là, au niveau de l'axe D, il y a le développement du capital humain et on a notre objectif qui est de promouvoir la santé des populations et accélérer la transition démographique. Et cette volonté politique s'est en tout cas traduite par des actions. Et parmi les actions, on a créé au sein du ministère un secrétariat technique qui est chargé d'accélérer la transition démographique en vue d'une meilleure capture du dividende démographique. Et aussi, nous avons la gratuité de l'APF. Nous l'avons commencé par une phase expérimentale en 2019, mise en œuvre dans deux régions, la région du centre-ouest et les Cascades. Et les leçons apprises de la mise en œuvre de cette phase expérimentale nous ont amené en juin 2020 à passer à échelle. Et il faut le dire que cette gratuité concerne la gratuité même de contraceptions, hein, la prestation des services et les consommables. Et ça a permis vraiment d'élever la barrière financière pour que les femmes qui ont les ressources limitées puissent accéder à cette planification familiale. Diapo. Donc, un mot, diapo, slide. OK, un mot sur la décentralisation et le système de santé. Donc, notre Code général des collectivités territoriales, en son article, ses articles 7 et 13-là, précise que le pays est organisé en collectivités territoriales et les collectivités sont divisées en régions et communes. Et également, il faut le dire qu'elles sont dotées, en tout cas, de l'entité d'organisation et de coordination. Donc, ces collectivités ont des pouvoirs pour assurer la coordination et également organiser les activités, notamment les activités de planification familiale au niveau décentralisé. Diapo. Donc, quelles sont les compétences que nous avons transférées à ces communes-là? Il y a eu progressivement d'abord le transfert des ressources à ces différentes collectivités. Et ce transfert des ressources ont permis la construction et la gestion des formations sanitaires de base, également l'organisation même de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et la prise des mesures relatives à la prévention des maladies, également l'hygiène, la salubrité au niveau de ces communes et aussi il y a le contrôle de l'application, en tout cas des règlements sanitaires. Slide. On a aussi transféré des patrimoines à ces communes. Et comme patrimoine, nous avons les centres de santé et de promotion sociale, donc qui sont les formations sanitaires de premier niveau. Et au niveau du premier échelon, il y a également les centres médicaux avec antenne chirurgicale. Il y a les dépôts de médicaments essentiels
et ses dépôts de médicaments essentiels sont des sites où on délivre ces médicaments essentiels et également les méthodes contraceptives. Donc, comme autre patrimoine transféré aux communes, nous avons les puits, les latrines, hein, le mobilier, le matériel roulant et les équipements et le matériel médico-technique. Diapo. Slide. Continue. D'accord. Dans les acquis de cette décentralisation, nous avons d'abord la disponibilité des ressources. Donc, comment se fait cette disponibilité des ressources au niveau décentralisé? Il y a le recouvrement des coûts. Et ce recouvrement des coûts permet d'assurer les réapprovisionnements, hein, les commandes en urgence des produits contraceptifs. Nous avons les crédits délégués et il faut le rappeler, au niveau des communes, on a créé une ligne budgétaire qui est approvisionnée par l'État. Donc, ça permet aussi d'engager des dépenses, notamment des dépenses urgentes. Nous avons le financement direct de la PF par les partenaires et parmi les partenaires, nous avons TCI qui nous accompagne pour ce qui concerne en tout cas la mise en œuvre de toutes les activités de planification au niveau de nos structures et au niveau en tout cas périphérique dans les villes. Toujours dans les acquis, il y a la meilleure disponibilité et accessibilité financière de produits contraceptifs dans les formations sanitaires. Donc, il faut le rappeler qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons ce que nous appelons la surveillance hebdomadaire de produits, en tout cas de la SA de façon générale, mais y compris aussi les contraceptifs. Et cette surveillance permet vraiment de déceler à temps, hein, les difficultés au niveau des formations sanitaires et de redéployer, hein, les contraceptifs dans les formations sanitaires qui sont dans les besoins. Et également, comme acquis, il faut le dire, c'est vraiment le rapprochement des méthodes contraceptives, notamment la chirurgie, au niveau de ces centres médicaux avec antenne chirurgicale. Merci. Diapo. Diapo. Donc, les perspectives en ce qui concerne la PF, c'est vraiment la meilleure implication des municipalités pour améliorer les services de planification familiale. Donc, nous allons améliorer la participation des maires au conseil de santé de district et également aussi leur implication dans le renouvellement de nos agents de santé à base communautaire et également aussi, hein, les comités de gestion où les communes nous accompagnent non seulement pour la gestion, mais également aussi la mise en place de ces comités de gestion. Toujours dans les acquis, c'est vraiment renforcer ce que nous avons comme engagement des municipalités pour l'APF. Donc, nous pensons au projet TCI. C'est vraiment penser à l'appropriation et à la durabilité de ce projet une fois que peut-être TCI va se retirer. Il y a aussi la mobilisation des ressources financières pour l'APF. Donc, ça a permis vraiment de mobiliser des ressources à travers les projets Amplify et TCI. Mais aussi, il faut le dire, nous sommes dans le processus d'élaboration d'un plan qui va nous permettre de mobiliser des ressources internes. Et dans l'élaboration de ce plan, nous sommes appuyés par l'INFPA et les autres acteurs. Et aussi, toujours dans les soutiens, c'est vraiment... Et dans les acquis, c'est le soutien des municipalités pour ce qui concerne les pratiques à haut impact. Donc, nous avons les journées spéciales de l'APF, les journées culturelles de planification familiale et également c'est l'identification systématique des besoins de nos clients pour pouvoir offrir les services de planification familiale. Donc, c'est là quelques acquis que nous avons cités. Slide. Il vous reste diapo. Une minute, Madame Zombré. Il me reste une minute. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous avons fait dans le cadre de COVID-19 pour, en tout cas, offrir les services? C'est d'abord les mesures de prévention que nous avons renforcées. Nous avons mis à disposition des formations sanitaires, des équipements. Il y a eu un plan vraiment que nous avons élaboré pour assurer la continuité des services de santé et également... Nous avons intégré la planification familiale dans tout ce qui est service essentiel au niveau du Burkina Faso.
Et je l'avais dit tantôt, c'est vraiment la gestion et l'approvisionnement continu en contraceptif. Slide. Oui. Diapo. Donc, pour ce qui concerne les acquis toujours, nous avons la mise en œuvre de la délégation des tâches. Il faut dire que au Burkina, nos agents de santé à base communautaire sont outillés, capacités pour offrir des services de planification familiale. Il y a la contraception, hein, il y a les injectables à travers les DPA sous-cutanés. Nous avons aussi mis en œuvre l'auto-injection et cette auto-injection permet l'autonomisation de nos femmes pour ce qui concerne la planification familiale. Je l'ai dit tantôt, nous organisons des journées spécifiques de planification familiale et ces journées spécifiques vont jusqu'à dans les zones périphériques pour ce qui concerne les villes. Et nous avons des équipes mobiles que nous mettons aussi pour pouvoir toucher les femmes qui sont, en tout cas, dans les zones les plus reculées. Et il faut le dire, compte tenu de l'insécurité, donc le ministère de la Santé a des équipes mobiles pour ce qui concerne notre région du Sahel qui actuellement, en tout cas, a connu l'insécurité et du fait de cette insécurité, il y a des formations sanitaires qui sont fermées. Donc, pour la mise en œuvre de ces équipes mobiles, nous avons Maristop, nous avons ABBF qui nous accompagne et nous faisons vraiment des sensibilisations au niveau du ministère et également aussi il y a les associations qui nous accompagnent. Donc, pour ce qui est vraiment en termes pour finir, je dirais rapidement que nous sommes engagés pour, en tout cas, assurer l'accès des services de planification familiale à toutes les personnes, notamment les personnes les plus vulnérables. Et également aussi dire que nous développons des activités pratiques à haut impact. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Madame Zombré. Et je pense que nous ferons de plus en plus connaissance entre le partenariat de Ouagadougou et vous-même. Et nous vous félicitons encore pour votre nomination récente. Je pense que pour le PANB justement du Burkina, justement, il y a un accompagnement pour la prochaine phase, vu que votre plan actuel se termine en 2020 avec les partenaires. Et on voudrait encore féliciter le Burkina pour avoir mis à l'échelle et donc lancé la gratuité sur l'étendue du territoire. Je pense qu'il y a d'autres pays comme le Niger, par exemple, qui pourraient servir d'exemple. Il y a des choses qui ont marché avec eux par rapport à la gratuité ou pas. Et je pense que c'était très important et intéressant quand vous avez parlé de la gratuité des consommables, des soins. On se rend compte, par exemple, dans certains pays comme la Guinée, où la gratuité est effective pour les accouchements, par exemple, et les enfants de moins de 5 ans, ou même si le service est gratuit, on demande parfois à la femme d'acheter elle-même les intrants et les consommables. Donc, c'est effectivement une chose à essayer de contrôler et voir comment ça va se passer, à suivre, quoi, en tout cas. Donc, merci beaucoup, Madame Zombré. Nous allons passer à notre deuxième panéliste très rapidement, le docteur Mukailu Tchagafu, et le chargé de l'engagement du secteur privé et de la communauté au niveau du projet Amplify PF, dont Madame Zombré a également eu à parler, où il apporte son expérience dans la mobilisation des ressources du secteur privé afin d'appuyer les programmes de planification familiale dans la sous-région. Docteur Tchagafu, c'est à vous. Merci Mariba pour cette présentation. Merci à tous les participants. Donc, je dois partager ici, au cours de ce webinaire, l'expérience du projet Amplify PF sur l'offre des services en milieu urbain. Voilà. Donc, le plan que nous allons suivre, s'il vous plaît, diapo suivante. Le plan que nous allons suivre, c'est une introduction pour situer un peu le contexte, les buts et objectifs du projet Amplify, les approches et interventions du projet, qu'est-ce qu'on a déjà comme résultat, et puis les leçons tirées et défis. Voilà les 5 points qui vont alimenter notre présentation. Diapo, comme introduction, comme ma présidente l'a dit, le projet Amplify est un projet phare de l'USAID, financé entièrement par le peuple américain,
qui est pour une durée de 5 ans. Il a démarré en juin 2018 et il finira en juin 2023. Il couvre 4 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et puis le Togo, avec un budget de 18 500 dollars environ, dollars américains. Il est géré par Pafin International comme responsable principal, mais les sous-traitants, c'est Populous Council et puis Credac. Credac est une ONG ivoirienne qui est spécialisée dans le cadre de l'accréditation des structures offrant des prestations de qualité. Le bureau régional est basé à Lomé, mais il y a des bureaux dans tous les pays que nous avons cités précédemment, un bureau qui sont dans les locaux des bureaux Pafinder. Merci. Diapo suivante. La problématique qu'il faut considérer ici en matière de planification familiale en milieu urbain pauvre, c'est la question du genre. Vous êtes d'accord avec nous que jusqu'à présent, les normes socioculturelles persistent et telles que les mariages précoces et les maternités précoces, la polygamie, voire même la domination de la gente masculine qui fait que l'accès aux services de PF n'est pas facile pour les femmes, surtout les jeunes et adolescentes. Et les problèmes d'adolescents et jeunes existent toujours. Comme vous le savez, l'âge moyen au premier rapport dans la sous-région autour de 17 ans et chez les filles et chez les garçons et 18 ans chez les filles. Et le taux de fécondité chez les femmes adolescentes reste encore élevé, autour de 125 pour 1000. Donc, l'autre problématique que nous rencontrons, c'est la timidité de l'implication du secteur privé. Comme vous le savez, pour avoir accès aux services de PF, il faut permettre aux gens de les avoir au moment où ils le souhaitent et à l'endroit où ils le souhaitent. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas parce que le secteur privé n'est pas aussi totalement impliqué dans ce travail. Or, les pharmacies, les cliniques privées pouvaient nous aider pour que ceux qui le désirent puissent avoir les services de PF, surtout dans le post-abortum. La spécificité des villes est une problématique qu'il faut considérer aussi. Comme vous le savez, les grandes villes, comme les capitales, ont des faubourgs, des banlieues où résident des femmes et des populations à revenus faibles. Donc, pour eux, avoir accès aux services de PF, surtout dans les pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire et tout récemment le Burkina Faso où les produits sont vendus, pour avoir accès à tous ces produits, ce n'est pas toujours facile. Diapo suivant, s'il vous plaît. Le premier Amplify couvre 4 pays, comme nous l'avons dit. La photo ici vous montre déjà les principaux pays. Et le mandat du projet Amplify, c'est la délégation, faire la promotion de ce qu'on appelle les pratiques à haut impact. Et puis, les pratiques à haut impact, telles qu'en matière de PF, et offrir les services dans le milieu communautaire, surtout les Sayana en auto-injection, et puis offrir les services de PF en postpartum et en post-abortum, et offrir les services de PF aux adolescents et jeunes. Voilà vraiment la mission que le projet Amplify se devait de faire et fait l'effort actuellement de le faire. La cible estimée pour les 4 pays est de près de 11 millions de personnes désirant les services de planification familiale. Diapo suivant, s'il vous plaît. Comme objectif, le projet Amplify se doit de renforcer et institutionnaliser un système d'adaptation et de réplication des pratiques à haut impact en matière de planification familiale. Et dans le cadre du projet, 3 bonnes pratiques ont été déjà identifiées. C'est la délégation des tâches, l'offre des services de PF en postpartum et en post-abortum. Voilà les 3 bonnes pratiques que nous devons faire l'effort d'aider les pays à institutionnaliser leur façon, la façon de les répliquer et de passer à échelle. Le deuxième objectif, c'est de mobiliser et tirer parti des communautés et des ressources nationales des donateurs de l'Afrique de l'Ouest et renforcer la viabilité et l'ampleur des pratiques à haut impact sélectionnées. Donc, où trouver de l'argent pour que les communautés, même s'il n'y a plus de projets, puissent pouvoir continuer par financer le passage à l'échelle de ces autres pratiques. Là aussi, c'est un autre objectif. Instaurer un système durable et autorégulé d'assurance qualité. Voilà, ça aussi, c'est un grand obstacle à l'accès aux services dans notre sous-région. Les clients ont des griefs par rapport à nos services. Comment nous allons faire pour que nos services soient des services de qualité où les clients seront intéressés à revenir régulièrement? Et enfin, nous devons collaborer avec les autres projets de l'ISAID
les projets qui font la promotion des services, c'est-à-dire qui créent la demande, tels que le projet Waba, les projets qui assurent la disponibilité, qui s'assurent de la disponibilité des produits, comme le projet de Chemonix, et puis les projets qui font les plaidoyers, comme le projet HP+, qui couvre aussi les mêmes choses que nous. Donc, nous avons comme objectif de collaborer et actuellement, cela continue de bonne manière. Diabo? Voilà, quelles sont les approches que le projet Amplify utilise? L'utilisation d'un portefeuille de projets de la plateforme existant au niveau des pays, c'est-à-dire des autres projets non financés par l'USAID et qui sont dans la même perspective que nous. Nous basons sur ces projets aussi pour amplifier la tâche qui nous a été confiée par l'USAID. Identification des décès pour intégrer le modèle de coordination. Vous avez déjà entendu parler de ce que nous appelons RIA. Donc, au niveau du district, quels sont les autres acteurs qu'on peut associer pour que les anciens comités de santé puissent fonctionner de façon concertée et régulière et de façon plus efficace. Et puis, l'adaptation des PHI au contexte de chaque pays. Donc, nous avons dans les pays un responsable d'adaptation qui aide les différents ministères à mettre à échelle les différentes pratiques. Et enfin, la mise en œuvre des PHI qui est vraiment un pilier pour nous. Et on le fait à travers les différents réseaux intégrés d'apprentissage avec une documentation régulière pour pouvoir laisser des traces dans l'avenir. Merci. Diapo. Il vous reste 3 minutes, docteur. Ah, merci. Donc, comme intervention centrée sur la PF, il y a l'introduction du modèle RIA. On n'en parle pas beaucoup. On ne va pas en parler beaucoup parce qu'on a déjà dit. Le renforcement des capacités institutionnelles des RIA, on a formé les agents de santé en technologie contraceptive, on a orienté les agents de santé sur ce que c'est que l'identification des besoins, l'identification spécifique des besoins. On a formé les agents de santé communautaires, surtout pour l'offre de la DMPA en sous-cutanée, la formation des cadres des mairies en mobilisation des ressources et on a équipé les formations sanitaires. Comme appui direct à l'organisation des activités, nous verrons ce que c'est que la journée PF. Je vais répondre une seconde là-dessus parce qu'il y a la question des populations pauvres. Les journées PF sont l'occasion où, dans les pays où les produits sont vendus, le projet Amplify endosse les coûts des produits et offre les produits gratuitement à ces populations qui n'ont pas de moyens pour s'en acheter, surtout les méthodes de longue durée. Donc, le service spécial de PF permettre aux femmes d'avoir des produits gratuitement et ça a beaucoup amélioré l'accès aux services dans nos faubourgs, comme nous l'avons déjà dit. Diapositive suivante. Merci. Comme RIA, comme vous voyez, le projet Amplify est situé seulement dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Bounongou, c'est dans la capitale. Boromo, c'est une ville en milieu rural urbain. Dafra, c'est Bobo-Dioulasso. Dafra et Dosa, c'est Bobo-Dioulasso. En Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan même, nous sommes aussi à Galois et à Boaké qui sont des grandes villes. Au Niger, c'est Niamey où nous avons au moins 3 RIA, plus la ville des Zender. Et au Togo, on est à Lomé et dans une ville périphérique à Bé. Voilà, donc nous avons 83% de nos RIA qui sont en milieu urbain. Donc nous appuyons bien les services au niveau des femmes vivant en milieu urbain et pauvre. OK, on évolue les résultats. Diapo. Donc, nous avons vraiment fait beaucoup de choses. On a distribué des fiches pour les ISBC, on a formé les agents sur l'approche ISBC, plus de 627 personnes, 604 leaders communautaires et agents de santé ont participé au dialogue communautaire, des agents de santé qui ont été formés, 154 cadres des mairies et des équipes cadres formées en technique de mobilisation des ressources. Actuellement, nous sommes en train de faire l'effort pour lancer les activités effectives de mobilisation des ressources dans tous les 4 pays. Diapo suivante, non, pas fait. Diapo suivante, prévention des infections et dans le cadre du COVID, on a fourni des produits, des préservatifs, des gants médicaux, de l'eau de Javel, les flacons de gel hydroalcoolique à toute personne qui intervient, surtout au niveau des différents RIA, peut-être sauf au niveau du Burkina, les 3 pays ont été vraiment bénéficiaires de tous ces services. On appuie aussi les radios communautaires pour la sensibilisation sur le COVID et la PF. Voilà, diapo suivante. Les leçons apprises. Avec les SBC, nous nous sommes rendus compte que vraiment
Il y a au niveau des prestations, des services, nous occupons tout de suite du but de la visite et on oublie d'explorer si la femme a d'autres besoins tels que la service de planification familiale, ce qui ne se faisait pas souvent. Mais avec l'ISBC, on a trouvé que le nombre de nouvelles acceptrices a augmenté, même si les femmes ne sont pas venues pour la PF. Et en faisant les visites guidées aussi, comme le sont appelées, on s'est rendu compte que les communautés sont prêtes à contribuer à l'amélioration de nos plateaux techniques en offrant des équipements, ou bien même ils aident à établir quelques infrastructures pour améliorer les cadres de l'offre de services. Voilà la dernière diapo, s'il vous plaît. Voilà. La dernière diapo, c'est les défis. Il y en a toujours. C'est comment respecter la distanciation physique en ce contexte de COVID, surtout quand nous organisons les journées PF, comme c'est gratuit, souvent les centres sont un peu comblés, ça devient un peu difficile. Comment amener les gens à respecter les mesures barrières, surtout se laver les mains? Les populations ne sont pas toujours habituées. Quand ils arrivent, on leur demande de laver les mains avant de venir dans la structure. C'est souvent des difficultés. Il faut mettre quelqu'un à côté pour les y obliger. Et maintenant, enfin, comme autre défi, c'est comment impliquer plus d'acteurs communautaires dans l'offre des services, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que les femmes même s'auto-injectent la DMPA et puis à offrir, à avoir plus d'agents de santé communautaire pour offrir les services. Voilà en gros ce que le projet Amplify a fait. Et je crois que la dernière, c'est pour vous dire merci et nous sommes disposés pour répondre à vos questions. Donc, comme recommandation, on pourrait peut-être impliquer plus de gens, renforcer les initiatives d'offre de services en auto-injection et mettre en place les mécanismes permettant de s'assurer les applications des mesures barrières par les clients. Voilà, merci. Merci beaucoup. Si vous avez débordé. Merci, docteur. Je pense qu'on retiendra, comme vous l'avez dit au départ, la timidité du secteur privé à s'impliquer, ou en tout cas le partage d'informations parfois qui manque entre le secteur privé et les programmes justement par rapport à la SRPF. Et je pense qu'on a vu pas mal de synergies là entre Amplify, PF et TCI, dont on aura la présentation dans quelques temps. Et peut-être ma question, et c'est pour vous également, Madame Zombré, on pourrait répondre plus tard, c'est par rapport justement aux journées spéciales PF dont vous avez parlé dans votre présentation. Madame Zombré, on a également parlé, je sais qu'au Burkina, c'est une des bonnes pratiques qui a pu justement accroître le recrutement de beaucoup de femmes. Et on sait que justement avec cette COVID-19, il y a quelques barrières à pouvoir justement avoir les journées spéciales PF comme on les a eues à l'accoutumée. Donc de savoir si vous avez déjà vu un impact par rapport au recrutement des femmes. Et comment est-ce que vous avez pu, je pense que vous avez touché dessus, docteur Tchagafou, comment vous avez pu justement faire en sorte de respecter les mesures barrières et la distanciation sociale par rapport à certains événements, mais on pourra y revenir. Je vais maintenant passer la parole à notre dernier panéliste. Il s'agit de Hugues Niaoui, qui est gestionnaire programme pays de TCI Afrique de l'Ouest au Bénin. Donc, depuis septembre 2017, Hugues appuie l'Union des communes du Zou, l'UCOS, la commune d'Abomey-Calavi et la commune de Cotonou dans la mise en œuvre des programmes intégrés de PF, SSRAJ, donc santé sexuelle et reproduction des adolescents et jeunes. Hugues, tu as la parole. Hugues? Je ne sais pas si ton micro est en mute, mais on ne t'entend pas. On va lui donner une minute. Est-ce que vous me recevez? Oui, si tu peux peut-être parler un peu plus fort. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, donc, merci. Madame Mariba, j'ai la responsabilité de m'entretenir avec vous sur l'amélioration de l'accès des femmes au service de planification en milieu urbain défavorisé, une contribution des pratiques à haut impact de la plateforme TCI en Afrique de l'Ouest francophone. Diapo.
Alors, cette présentation sera structurée en trois grands points. Nous allons voir dans un premier temps le contexte de l'Afrique de l'Est francophone. Ensuite, les pratiques à haut impact de TCI en Afrique de l'Est francophone et finir par quelques résultats. Diapo. Alors, il faut dire que environ 140 millions de personnes vivent dans les 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou, avec 3,5 millions de femmes en âge de procréer. Pour une population très jeune, nous avons plus de 50% de la population qui a moins de 15 ans. Nous assistons à une urbanisation rapide avec un nombre de citadins qui est passé de 22 millions en 2000 à 42 millions en 2015 et devrait atteindre 147 millions en 2050. Alors, avec cette croissance rapide, le taux de prévalence contraceptive reste historiquement faible, tandis que les besoins non satisfaits sont élevés, 27%, avec un indice synthétique de fécondité également élevé et estimé à 5,5 enfants par femme. Et nous avons des disparités entre le quintile le plus pauvre et les autres quintiles. Diapo. Alors, sur le plan sanitaire, nous notons une insuffisance de ressources humaines avec un financement insuffisant pour la santé. Sur le plan économique, il y a 3 à 40% de la population qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et sur le plan social, nous sommes toujours dans une société conservatrice où la discussion sur la PF est taboue, avec une population à dominance masculine où les femmes sont beaucoup plus appréciées pour leur fécondité et les familles nombreuses. Et sur le plan politique, nous avons une insuffisance de ressources humaines qualifiées au sein des collectivités territoriales qui portent le leadership des projets TCI au niveau des villes. Diapo. Hugues, on ne t'entend plus. Oui. Allô, vous me recevez? Oui, c'est bon. OK. Il reste 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. Alors, les interventions, c'est dans ce contexte que TCI intervient en Afrique de l'Ouest francophone à travers la mise en œuvre des pratiques à haut impact. Et par rapport au domaine de l'offre de services, nous avons l'ISBC qui est mise en œuvre dans l'ensemble des villes couvertes. Nous avons les journées spéciales d'offres gratuites des services de PF qui sont mises en œuvre également dans la plupart des villes. Nous avons les stratégies mobiles, la PF du postpartum, la délégation de tâches et les renforcements en ressources humaines. Par rapport à la génération de la demande, nous avons l'utilisation des médias, la cartographie des ménages, les visites à domicile, l'utilisation des champions PF et l'implication des religieux pour favoriser l'environnement habilitant l'utilisation des services de planification familiale. Et par rapport à la SRHJ, nous avons l'approche des jeunes leaders transformationnels qui, à travers laquelle les jeunes font le plaidoyer pour faciliter l'accès aux services de planification familiale aux adolescents et jeunes. Nous avons les services adaptés aux adolescents et jeunes avec des interventions telles que la réduction des biais, l'orientation de tout le personnel du site sur la SRHJ. Nous avons l'utilisation des coupons pour faciliter l'accessibilité financière aux adolescents et jeunes. Nous avons l'éducation des jeunes en milieu extrascolaire, la médiation scolaire et l'utilisation des technologies de la communication et de l'information de la communication pour la promotion de la SRHJ. Alors, pour soutenir l'ensemble des pratiques à haut impact développées par TCI Afrique de l'Ouest francophone, nous avons le coaching qui est notre cœur de métier et qui nous permet de soutenir d'optimiser la mise en pratique des approches à haut impact de TCI et également de faciliter l'appropriation locale par rapport aux pratiques à haut impact développées dans les villes. Et nous avons toutes les ressources par rapport au coaching sur
la plateforme de TCI, l'université, je veux dire TCIU, où vous pouvez trouver toutes les ressources par rapport au coaching tel que c'est implémenté par la plateforme de TCI Afrique de l'Ouest francophone. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Alors, par rapport à l'ISBC, il faut dire que l'ISBC est une approche qui cible les femmes âgées de 15 à 49 ans à la recherche de soins pour elles-mêmes ou pour leurs enfants âgés de moins de 5 ans et qui permet de centrer les services sur la cliente et sur les besoins en PF, SSRAJ, au profit des femmes en âge de reproduction. Et également, l'ISBC permet d'identifier les besoins non satisfaits en PF chez les femmes en âge de reproduction, leur fournir les conseils adéquats pour un choix éclairé en matière de contraception, leur offrir aux besoins les services de PF ou les orienter vers un service qui offre les services de PF. Diapo. Alors, quelques résultats par rapport à cette approche phare de la plateforme de TCI en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avons 532 PPS qui ont été enrôlés pour l'approche ISBC et dont 95% appliquent effectivement. Et nous avons 2602 prestataires formés sur l'ISBC avec un total de 114 728 nouvelles utilisatrices recrutées à travers cette approche depuis le début de la mise en œuvre des projets TCI dans les villes. Nous avons également une contribution moyenne de l'ISBC qui est de 40% dans le recrutement des nouvelles utilisatrices de planification familiale à la fin de l'an 4 de mise en œuvre de TCI en Afrique de l'Ouest. Diapo. Alors, par rapport aux journées spéciales, cette approche qui constitue l'une des interventions phares de TCI dans les villes de l'Afrique de l'Ouest francophone, elle permet d'améliorer l'accès géographique et financier à la planification familiale à des populations défavorisées, augmenter l'utilisation des services de planification familiale par la population, augmenter l'utilisation des méthodes contraceptives modernes, mobiliser la communauté autour de la planification familiale, sensibiliser la communauté, créer et accroître la demande par rapport à la planification familiale. Diapo. Alors, par rapport aux journées spéciales organisées dans les villes appuyées par TCI au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, il faut dire que nous avons pu organiser 1070 journées spéciales PF durant ces trois dernières années, pour un total de 24 900 nouvelles utilisatrices recrutées. Et nous avons un rendement moyen de 23 nouvelles utilisatrices recrutées par journée spéciale organisée. Entre l'année 3 et l'année 4, nous constatons une meilleure efficience des journées spéciales grâce à une meilleure codification de cette approche par TCI Afrique de l'Ouest francophone. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Alors, par rapport à la SSRAJ, nous avons, il faut dire que nous avons une approche holistique d'intégration de la prise en charge des femmes en âge de reproduction à travers la SSRAJ, et notamment les adolescents et jeunes, qui permet de rendre visibles les données sur la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes, de plaider en faveur des villes accueillantes qui mobilisent des ressources pour la SSRAJ au niveau des gouvernements et des collectivités locales, développer des messages attrayants pour les adolescents et jeunes à travers des canaux appropriés, réduire les biais dans l'offre et améliorer la qualité des services adaptés aux adolescents et jeunes. Diapo. Alors, par rapport à la SRAJ, dans les villes qui ont mis en œuvre des programmes intensifs de SSRAJ, notamment Lucos et Ziguinchor, nous avons mis en place 1400 registres dans 179 PPS pour permettre de capter les données désagrégées par rapport aux adolescents et jeunes. Nous avons pu installer 88 jeunes leaders transformationnels à Lucos avec un comité composé de 25 jeunes leaders transformationnels qui mènent des actions de plaidoyer et qui ont permis d'avoir de financement pour la prise en charge des coupons au profit des adolescents et jeunes,
d'instituer le mercredi soir comme un jour des jeunes pour pouvoir offrir les services adaptés de SSRAJ et également de mettre en place un cadre départemental de suivi de la SSRAJ au niveau de l'UCOS. Nous avons également la mise en œuvre des services adaptés dans 176 PPS au niveau de l'UCOS et de Ziguinchor. Diapo. Il reste une minute. D'accord, merci. Diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons une utilisation accrue des méthodes de longue durée d'action grâce au programme intensif de SSRAJ au niveau de l'UCOS et de Ziguinchor de janvier 2019 à janvier 2020. Diapo. Alors, donc, nous avons également la cartographie des ménages qui nous permet vraiment de recenser les ménages, d'avoir des informations socio-démographiques par rapport aux ménages, d'utiliser, de définir les cibles pour nos interventions et adapter le counseling aux clients à travers les données de la cartographie et de faciliter également les visites à domicile. En dehors de ces approches que nous avons pu mener, que nous développons dans les villes de TCA et Afrique de l'Est francophone, par rapport à la situation de la COVID-19, TCI Afrique de l'Est francophone a acheté du matériel et des équipements de protection individuelle et collective au profit de l'ensemble des villes qui implémentent des programmes TCI. Et également, nous avons essayé d'adapter notre collaboration avec le système de santé et les municipalités pour pouvoir assurer la continuité de l'offre de services aux femmes en âge de reproduction pendant cette période de COVID-19 où lorsque les conditions se sont un peu améliorées, on a pu continuer par organiser les journées spéciales PF tout en respectant les gestes barrières. Diapo. Alors, je voudrais conclure en disant que les pratiques et approches à haut impact de TCI permettent d'accroître l'accès des populations urbaines pauvres aux services de PF. Une meilleure implication du secteur privé pourrait accroître l'accès des femmes aux services de PF dans les différentes villes. Et le renforcement de la collaboration et de la coordination autour des programmes de PF et de SSRAJ facilite l'institutionnalisation et la pérennisation des pratiques à haut impact au profit des femmes en âge de reproduction vivant dans les milieux urbains défavorisés des villes que nous couvrons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hugues. Merci pour cette présentation. Et encore une fois, les journées spéciales reviennent. Et donc, ma question, c'est de savoir, et aller pour les trois panélistes, est-ce que vous avez constaté justement des chiffres en deçà de ceux des années précédentes par rapport aux journées spéciales? Mais avant de répondre à cette question, on va prendre un peu le temps. Je sais qu'on a un peu dépassé. J'espère que la plupart des participants pourront rester avec nous pour les questions-réponses. Il y a une question dans le chat de Awassar, à laquelle je vais demander à Awatala de répondre. C'est de savoir quelles mesures prendre pour éviter que certains centres ne vendent pas les produits contraceptifs. Donc, cette question-là d'abord pour Awatala, en attendant d'en avoir d'autres, et peut-être répondre aussi à la question sur les journées spéciales. Awatala. Merci Marie pour la question. Bon, je ne sais pas si je peux répondre au nom des pays, mais de ce que je sais, c'est que la délivrance de produits contraceptifs est souvent bien réglementée dans les pays. Dans les pays où c'est gratuit, il est clairement précisé que les produits contraceptifs sont gratuits. Et très souvent, cette gratuité, il faut être précis, elle est pour les structures publiques. Il restera toujours la problématique du secteur privé. Dans les pays où les produits ne sont pas gratuits, ils sont en vente, le ministère prend souvent la précaution de donner la liste des produits contraceptifs et les prix homologués au niveau du pays et selon le niveau de la structure. Vous verrez par exemple qu'un produit contraceptif au niveau de la pharmacie régionale d'approvisionnement, comme c'est le cas au Sénégal, n'aura pas le même prix que le produit contraceptif délivré au niveau du poste de santé. Mais ce qu'il faut retenir, peut-être que je voudrais dire à Mme Hawassar, c'est que même au prix auquel les produits contraceptifs sont vendus actuellement en Afrique de l'Ouest francophone,
ils sont largement et fortement subventionnés. Et cet appui financier vient dans une grande partie des partenaires au développement. Et c'est pour ça que l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou invite les pays à prendre le leadership sur la disponibilité des produits contraceptifs dans les pays. Il y a aussi CECONAF qui le fait pour s'assurer que demain, si nous avons une diminution, une rupture de l'aide internationale, que les femmes puissent toujours continuer à bénéficier de services de planification familiale de qualité. J'espère avoir répondu à la question. Merci Awa. Et c'est vrai que c'est vrai que dans nos pays, puisque j'ai vu beaucoup de commentaires aussi dans le chat pour encourager justement la gratuité, j'ai vu un commentaire du Bénin justement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un énorme travail qui a été fait avant que le Burkina Faso ne proclame sa gratuité. Puisque comme tu dis Awa, gratuité oui, mais même quand les intrants ont un coût, c'est déjà fortement subventionné. Donc la gratuité même, elle a toujours un coût pour quelqu'un, c'est juste qu'on évite que ce coût soit reporté sur les femmes et les jeunes filles, mais qu'il soit plutôt du côté du gouvernement, d'où le courage de cette décision-là, le gouvernement et les partenaires. Et effectivement, quand on voit la raréfaction des ressources en ce moment au niveau global, au niveau mondial, avec toutes les crises qu'il y a, et par exemple la COVID-19, c'est aussi de faire très attention au moment de prendre ces politiques-là, de s'assurer que c'est quelque chose qui peut être fait sur la durée. Voilà. Donc ça, c'est une des questions. Je vois pas mal de commentaires. Je vais laisser les autres les lire. Peut-être c'est de demander à Madame Zombré ou Docteur Tchagafou ou bien à Hugues de répondre justement à la question par rapport aux journées spéciales. Et si vous avez eu à constater une diminution par rapport aux chiffres de l'an dernier, par exemple. Peut-être, Madame Zombré, je vous pose la question. Ou Hugues, d'ailleurs. Oui, allô? Allô, oui. Madame Mariba. Oui. Oui, merci pour votre question. Nous avons essayé, au niveau de la plateforme de TCI Afrique de l'Est francophone, nous avons essayé d'analyser les données par rapport aux journées spéciales au cours de cette année, surtout après, à partir du mois de mars où cette pandémie de COVID-19 a commencé par perturber les activités. D'abord, il faut dire que nous avons constaté une baisse par rapport à l'utilisation des méthodes de planification familiale d'une manière générale. Et maintenant, par rapport aux journées spéciales, par rapport à ce que nous avons pu organiser dans nos villes, lorsque nous avons organisé ces journées spéciales, nous avons constaté quand même que les femmes sont sorties pour prendre les méthodes. Mm-hmm. Et donc, mais particulièrement, nous avons organisé autrement, nous avons mis une autre manière dans l'organisation de ces journées spéciales, c'est-à-dire qu'on a intensifié les activités de génération de la demande plus d'une semaine avant d'organiser ces journées spéciales. Et donc, on a sérieusement travaillé en amont et cela a fait que on n'a pas vraiment eu de baisse de chiffres par rapport aux résultats que nous avons l'habitude d'avoir par rapport aux journées spéciales. Mais lorsqu'on prend l'utilisation des méthodes de planification familiale de façon générale, il faut dire qu'il y a eu une baisse au cours de cette année à cause de la pandémie de la COVID-19. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Hugues. Et je peux vous donner l'exemple du Togo. Allô? Oui. Allô? Oui, Madame Zombré. Là, vous êtes. Mes excuses, j'ai un souci avec mon micro. Oui. Donc, par rapport aux journées spéciales, vous demandez les données. Au niveau du Burkina, bon, nous avons noté progressivement une augmentation. Donc, pour ce qui concerne les utilisatrices recrutées,
si on fait une projection de 2013 à nos jours, nous sommes à une augmentation de 44%. Maintenant, avec la pandémie, comme il y a eu des activités de sensibilisation et que nous avons pris vraiment des dispositions pour que les femmes soient informées, même s'il y a une baisse, elle n'est pas très, très sensible. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, Madame Zombré. Je pense que c'est un soulagement de savoir que même s'il y a eu un impact, il est quand même assez minime. Et je peux citer par exemple l'exemple du Togo où le docteur Agosu nous avait parlé, directeur de la santé mère-enfant, nous avait parlé du fait qu'au lieu d'avoir ces journées spéciales, par exemple, ou ces semaines PF qu'ils ont deux fois par an, ils avaient décidé, au lieu de le faire sur une semaine, de le faire sur deux semaines. Et ça permettait justement de pouvoir respecter tout ce qui était distanciation sociale et donner assez de temps aux femmes de pouvoir venir dans les structures de santé et de ne pas venir tout en même temps. Donc, je pense que la plupart de nos pays du PO se sont quand même adaptés par rapport à cette crise de COVID-19 et pouvoir continuer le recrutement des femmes. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le webinaire. Je remercie tout le monde d'être resté un peu plus longtemps que nous avions prévu, que ce soit un webinaire de 1h15, et on respecte énormément votre temps. Donc, c'est de remercier, en tout cas en mon nom propre et au nom de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, la plateforme TCI, de nous avoir associés à ce webinaire, dont le sujet, encore une fois, est extrêmement important pour nous, qui sommes très préoccupés par rapport à la demande, et ensuite de pouvoir répondre à cette demande-là. De remercier tous nos illustres panélistes d'avoir bien voulu avoir ces présentations-là et pouvoir nous donner une idée justement de comment s'assurer que les femmes en milieu défavorisé, en milieu urbain, aient autant accès aux services de planification familiale que les femmes venant de cantiles un peu plus riches. Voilà, donc merci beaucoup à TCI, merci beaucoup à nos panélistes, merci aux participants d'être resté jusqu'à la fin. On espère que vous aurez trouvé ce webinaire enrichissant et intéressant. Vous avez, je pense, les adresses e-mail, surtout de Fatima, ou en tout cas au niveau de IntraHealth. Si jamais il y a des questions, j'ai vu des commentaires par rapport au partage d'expérience de Amplify PF sur la coordination des projets, et donc de pouvoir vous rapprocher d'eux à travers TCI, par exemple, pour répondre à ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et bonne journée, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde.